Comme des vagues glissant sur les flots, des lignes de force parcourent l'organe électrique d'un poisson torpille qui peut envoyer une décharge capable de tuer un cheval. Les lignes brunes révèlent la présence d'une enzyme. C'est elle qui permet d'inactiver rapidement la molécule libérée par les nerfs qui est responsable de la décharge électrique. Et c'est cette même enzyme et cette même molécule qui permettent la contraction et le relâchement de nos muscles. Là, un lavis à l'encre de Chine de l'artiste Alfred Manessier, Sable, lavis 1. De cette œuvre inspirée par les paysages de la côte de Picardie, Manessier dit « Les traces faites par la mer au reflux sur le sable m'ont subjugué. Je n'ai pu résister à l'infini de leur rythme. Activation et désactivation, flux et reflux, au cœur de la vie, autour de la vie, avant la vie, après la vie, battement du monde. »